Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que vous attendez impatiemment. J'ai été presque harcelée sur Instagram pour cette vidéo. Donc c'est la vidéo solde Sephora. Donc j'ai été le deuxième jour des soldes. Le premier jour j'ai pas pu y aller parce que j'ai travaillé de 10h à 19h. Donc c'était pas possible du tout. Par contre, j'ai passé deux commandes sur le site de Sephora, mais c'était dur. Hein. C'était dur de valider les paniers, etc. Je ne sais pas vous, mais le site, en fait, il buguait complètement, tellement qu'il y a du monde qui sont dessus, en fait, je pense. Mais malheureusement, j'ai reçu un mail après 2-3 jours pour annuler complètement une des deux commandes. En fait, j'ai passé deux commandes. Donc, j'ai reçu un mail d'annulation parce qu'il manquait un produit sur les 10. Oui, oui, oui. Franchement, ça c'est hyper chiant. Je suis désolée, mais c'est hyper frustrant. Donc, Sephora, si vous passez par là, ce qui m'étonnerait hyper fort, franchement, s'il vous plaît, changez vos procédures d'annulation parce que c'est vraiment pas possible. Je sais pas moi, remboursez-nous juste le produit qui est indisponible et envoyez-nous le reste, s'il vous plaît. Franchement, j'étais dégoûtée, clairement, j'étais dégoûtée parce que j'ai pu dénicher quelques petits trucs Too Faced. Comme vous le savez, Too Faced, il passe à moins 70%, moins 70% sur la gamme Tutti Frutti. Du coup, j'ai pu dénicher quelques petits trucs et en fait, il manquait juste la poudre compacte avec les bananes dessus. Il manquait juste ça qui était plus disponible, sinon tout le reste c'était disponible. Donc franchement, je suis dégoûtée, je ne sais pas vous, mais moi ça me frustre à mort. Donc là, pour la deuxième commande, j'ai toujours pas reçu de mail pour dire si c'est annulé ou si c'est validé ou je ne sais pas. Mais en tout cas, j'espère que non. Et au moment où je vous parle, il y a 10% supplémentaires sur les soldes. Donc ils ont déjà appliqué la deuxième démarque, mais c'est pas en fait affiché sur la page d'accueil du site. En fait, j'ai remarqué ça par hasard. En fait, j'ai mis des articles dans mon panier et je voyais que les prix ont diminué. Et il y avait juste une petite phrase comme ça en mini où c'est marqué deuxième démarque, 10% supplémentaire sur vos achats et tout. Donc voilà, c'était vraiment pas clair du tout. Mais en tout cas, j'ai repassé une troisième commande, une petite troisième commande. Et là, j'attends toujours le mail de validation. J'espère que ça va passer. Donc voilà, je vous ai tout dit concernant mes commandes en ligne. Donc j'espère qu'il y en aura une ou deux si ça marche. Alors, j'ai été faire les soldes. Pas à Lille cette fois-ci, mais à Maubeuge et à Valenciennes. Donc, j'ai contacté ma compatriote belge qui est youtubeuse aussi, qui s'appelle Priscilla. Donc, sa chaîne... Oh là là, je sais plus c'est quoi le nom de sa chaîne. Je vous mettrai de toute façon ici le nom de sa chaîne. Je vous mettrai, donc, pour aller la découvrir dans le petit i ici. Et je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. C'est une femme très, très, très sympathique. C'est une compatriote belge qui habite à Binche, donc c'est pas tout près de chez moi, hein, c'est pas à côté de la porte. Mais je lui ai demandé si elle voulait faire les soldes, en discuter un petit peu sur Instagram. Et elle m'a dit oui, j'ai envie d'aller faire les soldes et tout. Et comme par hasard, on a eu le même jour donc de congé. Et on a été ensemble à deux, c'était trop bien. Merci beaucoup ma belle de m'avoir accompagnée. On a passé une très très belle journée, soldes et tout, entre filles. J'ai pris Lara avec moi. On a vraiment passé une super journée, donc pour les make-up addicts, c'est le bonheur quoi. Moi j'étais comme une petite fille, toute excitée d'aller faire les soldes et tout. Donc voilà, au départ j'allais à Lille. Mais après quand j'ai vu la vidéo de Karine et de Emma, ça m'a un petit peu refroidi parce qu'il n'y avait rien de bien quoi, il n'y avait pas des choses intéressantes. Et puis Priscilla m'a parlé de Maubeuge parce que c'est pas très loin de chez elle, en fait 35 minutes de Binche. On a décidé d'aller faire un tour de ce côté là et voilà. Donc on a été chez Sephora, on a été chez Adopt et Nocibé. Je vais vous montrer les achats Sephora que j'ai effectués à Maubeuge. Alors, autre chose. Pour mon anniversaire,
bien sûr, et comme d'habitude, j'ai pas reçu le mail avec les 30 euros pour mon anniversaire. Du coup, chaque fois, je vais en magasin pendant les soldes, quand je fais les soldes en France, et je le réclame en magasin. Du coup, il téléphone au service client et tout ça et tout ça. Et je peux le dépenser que sur un article qui n'est pas soldé. Donc voilà, ça c'est pas grave hein, de toute façon. Donc je vous montre ce que j'ai pris avec mon bon de 30 euros. J'ai pris la palette de chez Huda Beauty, la Nude Medium. Voilà. Non, je ne les ai pas. Je ne les ai pas encore. Et je l'ai pris en fait un peu exprès pour faire une vidéo comparaison entre donc, la palette de Huda et la palette qui vient de sortir de la marque W7. Donc franchement, j'ai hâte de voir, de faire ce battle-là entre ces deux palettes. J'ai pris la Nude Medium. J'hésitais entre la Rich, mais j'ai quand même pris celle-ci parce qu'elle me plaisait bien. Les teintes nude comme ça, marronnées pour tous les jours, c'est excellent. Elle est juste magnifique, comme vous voyez bien. Et alors, pour arriver à 30 euros, parce qu'elle coûte 29,95 €, donc voilà, il faut 5 centimes pour arriver à 30 euros pour bénéficier donc de la réduction de 30 euros. J'ai pris ce petit masque-là, voilà, un masque yeux litchi de la marque Sephora. Donc voilà, masque yeux litchi. Je connais absolument pas hydratant. Éclat, c'est des patchs qu'on met en dessous des yeux, je pense. Patch biocellulose haute performance. Donc voilà ce que j'ai pris avec le bon anniversaire de chez Sephora. Je suis trop contente, comme ça je l'ai gratos. Nickel, c'est parfait. Alors, j'ai un sac ici, mais avec beaucoup de petites babioles, j'ai envie de dire. Hein. Donc voilà. Oui, il est long, il est long, il est assez long. Alors, j'ai pris des petites lingettes. J'en ai pris deux ou trois en fait. Je pense que j'en ai pris trois comme ça. En fait, c'est les mini paquets de lingettes démaquillantes en fait. Mais moi, je les mets dans mon sac, c'est hyper pratique. Franchement, c'est trop bien. C'est à la coco. Il passait à moins 50% à 1,50 € par petit paquet. J'en ai pris deux, j'en ai pris trois je pense, au lieu de 3 euros, 1,50 €. Donc voilà, visage et yeux, lingette à la noix de coco. Ils sont trop mignons, trop trop choux. J'ai pris un paquet de patch pour le nez au charbon, donc pour enlever les points noirs, parce que oui, j'ai plein de points noirs dans mon nez. J'ai enlevé ce que je pouvais enlever, mais là, je me suis dit, allez, vu que c'est en solde, ça passait à... Ah, je ne sais pas combien, c'est pas marqué dessus. Ça a coûté 2,50 €, c'était 4,99 € à la base et à moins 50%. Donc il y en a 3 patchs à l'intérieur. C'est un extracteur point noir blackhead, 3 patchs adhésifs noirs. Donc voilà, se présente comme ceci. Next, j'ai pris 2 blushs de la marque Sephora. Ils sont à 50%, 5,99 € au lieu de 11,99 €. Donc j'ai pris la teinte, mais vraiment, comment dire, rose flashy. La teinte, c'est I'm in Love, numéro 33. Je vais l'ouvrir pour voir comment il est à l'intérieur. Je voulais les tester ceux-là depuis très longtemps et vu qu'ils sont en solde, bah, j'en ai profité. Heureusement que c'est pas cassé. Il est très très joli. Franchement, il est magnifique, ça pour l'été. J'adore la teinte. Voilà, un rose tout doux comme ça. En fait, on le voit flash, très flash dans le pan, mais en fait non. Au swatch, il est très 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 joli. Je vais vous montrer un tout petit peu. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, on le voit un petit peu. Ça, ça va donner bonne mine. Trop, trop bien. Vous avez même un petit miroir. Voilà, un tout petit miroir. Et j'ai pris la teinte Perfect Match numéro 34. Je pense qu'il y en avait 2 ou 3 teintes en solde. Donc, j'ai pris celui-là aussi. J'espère qu'il ne sera pas trop clair pour ma carnation. Voilà, c'est une sorte de beige pêche comme ça. On va voir. Ouais. Je pense que ça va être un petit peu clair pour moi. Je sais pas. Je vais juste swatcher. Allez, j'ai mis mon ongle dedans. Ouais, je pense que ça va être trop clair pour moi. C'est pas grave. Je laisserai pour un concours ou quoi. Je verrai bien. Donc voilà.
Alors, Priscilla est tombée par hasard sur ce machin-là, base de fard à paupières lissante de la marque Too Faced. Elle est passée à 30% au lieu de 19,90€, 13,93€. Et je voulais la tester depuis très longtemps parce qu'en fait, elle a un effet anti-crease eyeshadow primer. Donc, quand vous l'appliquez, les fards ne crease pas dans les plis de la paupière. Et ça, c'est cool en bras paupières pour un regard séduisant et voluptueux. Et votre solution complète contre les paillettes qui tombent. Ah oui, il fait aussi effet colle à paillettes. Cool. Notre formule la plus populaire fixe l'ombre et intensifie la couleur pour une tenue résistante à l'eau pendant 24 heures sans plis ni estampage. Ah, c'est bien ça. Voilà, c'est de la marque Too Faced. Comme ceci, base à paupières. Cool. Voilà, je voulais la tester depuis très longtemps et voilà, l'occasion s'est présentée. Je l'ai prise. J'ai pris un crayon pour les lèvres de la marque Kat Von D. Il passait à 50%. Donc, au lieu de 18€, je l'ai payé 9€. Et franchement, il y avait un testeur. Quand je l'ai testé, il était magnifique. 9€, c'est un petit peu cher, je trouve, encore. Mais pour la qualité, il est topissime. Donc, j'ai pris la teinte 0GOG Lolita. Magnifique teinte. Franchement, il n'y a rien à dire, quoi. Donc, il se présente comme ceci. Rétractable, il est trop beau. C'est la couleur Lolita en fait, hein. Voilà la couleur comme les rouges à lèvres de Kat Von D, Lolita. Donc c'est la même teinte et moi je les ai, hein, les rouges à lèvres sans transfert mat. Il est trop beau, il glisse tout seul, il tient super bien. Franchement, je kiffe. J'ai pris deux fonds de teint. Oui. Je me suis lâchée un petit peu là pour les fonds de teint. J'ai trouvé le fond de teint Fenty Beauty à moins 30%. Le Pro Filter Hydrating Longwear Foundation. Fond de teint hydratant longue tenue. Je l'ai pris parce que c'est la version hydratante. Et ça, c'est cool. Donc, il passait à 30%. C'est vrai que c'est pas une grosse réduction. Mais bon, à 30%. Ça va encore. Donc, il coûte à la base 34€ et je l'ai payé 23,80€. J'ai pris la teinte 260. J'espère que ça va aller en format tube comme ça. Très pratique en fait. Je ne sais pas la teinte si ça va aller. Aucune idée. Mais en tout cas, c'est un système à pompe et ça, c'est trop cool. Donc voilà, on verra bien si ça va aller ou pas. Si je vais aimer ou pas. C'est un contenant de 32 ml. Donc voilà. Fenty Beauty, je vais tester tout ça. J'ai pris le fond de teint Kat Von D, le True Portrait Liquid to Powder Foundation, fond de teint fluide fini poudreux. Donc, poudré, pardon. Donc, au lieu de 35€, je l'ai payé 24,50€. Il était à moins 30%. Je me suis dit, et là, lance-toi. J'ai pris la teinte Medium 039. Voilà. Je vais l'ouvrir pour vous montrer. Alors, il est magnifique le flacon. Franchement, magnifique quoi. Magnifique. Il a l'air d'être très fluide d'ailleurs. Ah oui, il y a une boule dedans en fait. Il y a une petite boule dedans. Packaging est trop classe. Vraiment quoi. Et c'est un système à petit embout comme ça. Drôle. Trop drôle. Original. Voilà, alors, pardon, j'ai trouvé par hasard l'anti-cerne Urban Decay, le All Nighter. Je me suis dit, allez, teste-le. Et là, il était à moins 50%, donc au lieu de 26€, je l'ai payé 13€. C'était une bonne affaire et je pense que j'ai trouvé ma teinte aussi. C'est le Medium Neutral. Voilà, je vais l'ouvrir pour vous montrer le packaging parce que le packaging, il est très joli. Oups. Donc, il se présente comme ceci, comme le fond de teint en fait. Hein. Magnifique. Franchement, il est trop beau. Voilà. Et j'ai hâte de tester pour voir si ça va aller. Je pense que la teinte, je ne me suis pas trempée. Trop bien. Magnifique. Il y a des sous-tons jaunes comme j'aime. Donc voilà, j'espère que ça va le faire celui-là. Waterproof Full Coverage Concealer. Couvrance totale et waterproof. Donc voilà, c'était une bonne affaire quand même. Et enfin, j'ai acheté plein de rouges à lèvres de la marque Sephora parce que je les aime beaucoup. Et en plus, j'ai pris beaucoup de métalliques parce que j'en ai pas de métalliques. J'en ai qu'un seul que Emma m'a mis dans un swap. C'est tout, c'est un rose. Du coup, j'ai pris deux mats et j'ai pris trois métalliques. Voilà. Donc, je vais commencer par les mats. Donc, ils passaient à 50% ceux-là.
5,49€ au lieu de 10,99€. J'ai pris la teinte 38. Voilà, c'est un violet comme ça. Ou alors quoi, je vais pas les déballer. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire les swatchs sur Insta en story. Comme ça, vous avez une petite idée. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Je vous mettrai mon Insta juste ici et vous le trouvez toujours dans la barre d'infos. Donc, je pense que je vais pas tout ouvrir, sinon la vidéo va durer une plombe. Je pense qu'elle va durer déjà une plombe. Donc voilà, j'ai pris donc dans le mat la teinte 38. C'est un violet comme ça, rosé, très joli. Pardon. J'ai pris en mat aussi la teinte 24. C'est un marronné bordeaux, très 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 joli. Voilà, il est beau, il est foncé, hein. Donc il passe aussi à 5,49€. Et les trois métalliques, j'ai pris la teinte 110. Voilà, c'est un pêche métallique, pêche, ouais, c'est pêche foncée, rosée, je ne sais pas vous expliquer la teinte, très 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 jolie teinte. J'ai pris la teinte 106, c'est un métallique aussi, c'est un plutôt copper, une teinte copper bronze rosé comme ça, très très beau. Et le dernier, waouh, j'ai un chat dans la gorge. Et enfin, j'ai pris la teinte 127, c'est un... en fait, celui-là, c'est un holographique, je pense. La gamme velouté sans transfert duochrome, voilà. Cream Lip Stain duochrome. Je suis trop contente parce que je ne savais pas que c'était un duochrome. C'est quand je suis rentrée chez moi que j'ai capté que c'est un duochrome. Donc, c'est la teinte 127 Spice Extravaganza. C'est un marron comme ça et avec des reflets, en fait, hein, promis, je vous mettrai les swatchs sur Insta. C'est plus sympa, je pense. Et comme échantillon, rien du tout. Ils m'ont mis juste le Bulgari Man en plus. Franchement, voilà. No comment. À Maubeuge, on a été chez Adopt et Auchan. Parce que oui, mademoiselle Lara, elle voulait acheter des petites choses chez Auchan. Elle voulait acheter son shampoing DOP que je lui ai acheté la dernière fois à Lille quand j'ai été voir Karine. Elle a adoré, franchement, elle a adoré. C'est des shampoings bio, deux en un. Je lui ai pris celui à la fraise. D'ailleurs, je lui ai repris le même parce qu'elle a adoré. Donc, c'était celui-là. Du coup, elle a refait un petit peu le stock parce que ceux-là en Belgique, il n'y en a pas. Voilà, chaque fois que je vais en France, j'en achète des DOP, gel douche et shampoing. Donc, c'est le fruité et certifié bio DOP, le shampoing très doux à la fraise, adulte et enfant, adouci et fait briller, sans silicone pour un toucher naturel. Donc, voilà, 400 ml et ça sent trop, trop bon, ça sent trop, trop bon. Oh là là, ça sent hyper bon, gourmand, on adore les odeurs gourmandes. Et elle a choisi, mademoiselle Lara, celui-là. Donc, c'est un shampoing à la pomme. C'est toujours bio, purifie et hydrate, sans silicone, pour un toucher naturel, 400 ml. Donc voilà, elle est super contente, ça sent super bon, franchement. On a pris une édition limitée d'un gel douche DOP, franchement, quand on l'a senti. On a tous craqué, même Priscilla, je pense qu'on en a pris un. Donc, c'est une édition limitée avec une petite tête de licorne juste ici. Trop, trop chou. Et c'est au cookie, en fait, l'atelier... c'est en fait en collaboration avec l'atelier de Roxane. Lara, elle n'a pas capté. Quand je vais lui dire ça, elle va être encore plus contente parce qu'en fait, elle suit l'atelier de Roxane. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez des enfants qui suivent la chaîne de Roxane et Lily ou Lilou, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas... en fait, en collaboration avec l'atelier de Roxane, au parfum Cookie, fabriqué en France, édition limitée. Je comprends pourquoi alors il y a le cookie et tout ça. Maintenant, je vais lui dire à Lara, elle va être contente parce qu'elle a le livre de recettes de l'atelier de Roxane. Attention, hein. Ça sent trop bon le cookie, c'est hyper gourmand. Franchement, on dirait qu'il y a des cookies. Franchement, c'est incroyable comment ça sent la même chose. Franchement, c'est topissime. Alors, moi, j'ai pris un déodorant cadeau parce que je les ai achetés au promo beauté Leclerc. Je vais y arriver, je suis fatiguée. Il est 11h. Oui, il est 11h20. Je suis en train de filmer. Demain, c'est samedi, je travaille 10h à 19h. Donc, ça va aller. Cette semaine, franchement, je vais raconter un tout petit peu ma life. Hein, mais cette semaine, c'est une semaine de travail, un truc de malade.
Je suis crevée, fatiguée. On fait le travail de deux personnes, de deux, trois personnes. On est en effectif réduit. Il y en a qui sont partis en vacances. Ça a été tout un chamboulement avec les soldes et tout ça. Et pour l'instant, on est en pré-solde. Donc, la moitié du staff n'est pas là. Ils veulent réduire des heures. C'est la catastrophe. Et du coup, ben, ça bosse. Ça bosse, ça bosse. Donc, il est tard. Excusez-moi si je bafouille un tout petit peu. Donc, voilà. Le Cadom déodorant 48 heures microtalp. Actif anti-humidité naturelle, 0% alcool, fraîcheur, anti-trace textile délicate. Donc moi, je les ai déjà testés quand je les ai achetés au promo Beauté Leclerc et j'ai adoré. Franchement, ça fonctionne super bien. Donc j'en ai racheté un chez Auchan. Voilà. Et je pense que c'est tout chez Auchan. J'ai plus rien pris d'autre. Alors maintenant, on va passer à Adopt. Donc c'est un magasin où je vais jamais en France en fait. Et Priscilla m'a dit voilà, il y a Adopt et tout. Et puis je me suis rappelé que mes copines youtubeuses françaises vont chez Adopt et montrent beaucoup de choses très sympas. Ils ont leurs petits parfums et tout. Donc on est rentré et il y avait des soldes. Alors, on a profité d'une offre très 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 intéressante sur leurs bougies. En fait, je pense qu'ils vont changer les senteurs et tout ça. Du coup, ils ont soldé les bougies. Donc, à l'achat de 2, c'est 50% et à l'achat de 3 bougies, c'est 70%, 70%. Et ils vous les mettent dans un coffret magnifique comme ceci. Franchement, j'ai adoré. Du coup, je pense que Priscilla, elle a pris 3 grosses bougies et moi, j'ai pris les petits pour tester parce que je ne connais pas. Et franchement, ça sent super bon. Donc voilà, il marque 50%, mais en fait, à l'achat de 3, ça passe à 70%. Et ça, c'est trop cool. Donc, packaging est trop bien. J'ai pris 3 senteurs. Alors, j'ai pris senteur Zen Verveine. Donc, je vais vous montrer l'intérieur de la bougie. Voilà. C'est dans des petits poux. Des petits poux. Des petits poux, oui. Et là, va dormir. Ah là là, franchement, je fais vite cette vidéo parce que si je ne la fais pas aujourd'hui, je ne la ferai pas tout de suite et ça va traîner. Donc voilà, je prends mon courage à deux mains et je la fais. Ça sent là un petit peu la verveine, mais pas des odeurs très très fortes en fait. Hein. C'est ça qui est cool. Donc ça, je mettrai à l'entrée de la maison, dans le hall. Ça va être très sympa. Donc, c'est des petits pots comme ça, tout simple, en verre. Voilà, je vais tester et je verrai bien. J'ai pris senteur soft musc, voilà. Et ça sent aussi une petite odeur toute douce. Ça sent trop trop bon. C'est pas fort, je sais pas si ça va bien diffuser, aucune idée. Je vous dirai ça sur Instagram sûrement. Je vais allumer une dans mon salon d'abord parce que mon salon il est très grand. Et là je vous dirai si ça embaume la pièce ou pas, ou si c'est juste pour des petites pièces en fait, tout simplement. Et la troisième senteur, j'ai pris Sensuel Bonjoin. Voilà, ça sentait super bon. Il y avait aussi jasmin, mais il n'y en avait plus en petit format. Et ça sent très très bon. Et en fait c'est des bougies 100% végétales. Mèche en coton et cire de colza 100% végétale. Donc, ils sont fabriqués en France dans le respect de l'environnement. Cire végétale, mèche en coton, nickel quoi. Ça sent très très bon. Donc, franchement, j'ai payé 8 euros et quelques pour les 3 bougies quoi. Pour vous dire quoi. Est-ce que j'ai le ticket de caisse pour vous dire? 8 euros, oui, 8 euros 7 centimes pour les 3 bougies, quoi. Franchement, ça valait trop le coup. On a craqué, moi et Priscilla. Et Priscilla, elle a payé 13 euros et quelques pour les 3 grosses bougies. Donc, voilà. Et vu que moi, je ne connais pas très bien, j'ai préféré prendre les petites bougies. Et j'ai craqué aussi un petit peu sur leur make-up parce qu'ils ont vraiment une large gamme de maquillage chez Adopt. Franchement, je ne sais pas si c'est bien ou pas. Dites-moi en commentaire si vous avez testé. Et du coup, j'ai pris quelques petites choses pour tester. Il y avait de tout en fait. Il y avait fond de teint, il y avait poudre, il y avait mascara, il y avait de tout. Mais moi, j'ai craqué sur un blush. Le packaging se présente comme ceci. Blush Touch, Blush Bonne Mine de la marque Adopt. La teinte, j'ai pris Blush Bonne Mine numéro 02 Rosy. Voilà. J'ai failli acheter un autre et puis je me dis, Ella, teste d'abord celui-là. Pour voir si tu vas aimer. Donc packaging hyper simple en plastique comme ça.
Et voici la teinte rose, trop mignon. Là, vous voyez clair avec la lumière, mais c'est un magnifique rosé, bonne mine. Vraiment très très jolie teinte, je suis contente. Je vais le tester. J'ai pris un crayon contour pour les lèvres. Crayon contour des lèvres, j'ai pris la teinte Mocha Addict, je pense. Mocha Addict. Franchement, il glisse super bien. C'est un marronné comme ça. Très, très, très joli. Voilà. Il glisse super bien. Il a l'air d'avoir une très, très bonne tenue. Donc, voilà. Alors, il m'a coûté combien le truc là? Le crayon lèvres, il est passé à 1,97€. 1,97€. Voilà. Il était à 50%, je pense. Et le fard à joues, il m'est revenu à 2,97€. 2,97€. Voilà. Et j'ai pris deux rouges à lèvres liquides mat. Nouvelle formule, sans transfert, longue tenue, rouge à lèvres mat. J'ai pris deux teintes. La première teinte, c'est numéro 14, Mademoiselle Mystérieuse. Il se présente comme ceci. Franchement, le packaging est trop sympa, noir comme ça, mat. Et je vais vous faire un petit swatch ici. Il est foncé celui-là, hein. C'est un chocolat. Chocolat quoi. Un magnifique chocolat. Ça sent pas grand chose. Voilà, il est juste ici. J'aime beaucoup avec un make-up assez, comment dire, assez simple et frais aux yeux. Et le foncé sur les lèvres, ça va trop bien donner quoi. Magnifique. Et la deuxième teinte, c'est une teinte aussi foncée. La teinte numéro 9, Mademoiselle Kaline. Mais parfois, le packaging ne reflète pas la couleur à l'intérieur. Donc, voilà, ça n'a rien à voir. Regardez, ça, c'est un rose, un rosé. Et le packaging est hyper foncé par rapport à la teinte. Donc, ça, on est sur un violine comme ça. Très joli. Très, très joli, opaque. Voilà. Un vieux rose foncé. Non, c'est un bois de rose plutôt. Voilà, bois de rose. Très, très joli. Magnifique, hâte de les tester sur les lèvres en tout cas. Donc voilà pour mes achats chez Adopt et j'en ai eu pour tout ça pour 20,95€, 20,95€. Franchement, une bonne affaire j'ai envie de dire. Alors, on est passé aussi chez Nocibé et en fin de vidéo, je vous montrerai mes achats Sephora à Valenciennes. Alors, chez Nocibé, j'ai craqué un tout petit peu. Je vais enlever ça ici. J'ai pris tout d'abord un démaquillant douceur, yeux et lèvres. Il est biphasé. Donc voilà, je vais tester, je vais voir. Il est passé à 3,97€. 3,97€. Why not? À moins 50%, il était à 7,95€. Dites-moi si vous le connaissez, si vous aimez, si ça fonctionne bien ou pas. Donc voilà, je me suis dit, à ce prix-là, on va tester. J'ai pris aussi huile sensorielle démaquillante visage et yeux. Dites-moi si vous la connaissez parce que ici en Belgique, on n'a pas de Nocibé. Du coup, voilà, pour mes abonnées françaises, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, c'est visage et yeux extrait d'olive. Donc ça, j'ai hâte de tester. Et puis derrière, j'ai lu, parce que je me suis dit peut-être qu'il va laisser un fini gras. Mais en fait, non. Il marque... élimine en un seul geste sans frotter les traces de maquillage ainsi que toutes les impuretés accumulées tout au long de la journée et ne laisse aucun film gras sur la peau. Convient à tous les types de peau. Donc voilà, franchement, hâte de tester. C'est une contenance de... Est-ce que c'est marqué 50 ml. Donc il est passé à 2,76€, 2,76€ au lieu de 3,95€. Voilà. Il a une couleur d'huile d'olive d'ailleurs. Ensuite, j'ai enfin trouvé la CC de It Cosmetics, la CC crème de It Cosmetics. Je suis trop contente parce que depuis le temps que je voulais la tester, franchement, voilà, je suis ravie. J'ai pris le format mini, format voyage, on va dire, 12 ml et ça a coûté 15€. Donc j'ai pris la teinte Tan. Voilà, heureusement j'ai failli prendre la teinte médium et puis la caissière elle m'a dit vous êtes sûre madame, vous voulez tester sur votre main, on a des testeurs, je lui ai dit oui volontiers et du coup heureusement parce que j'allais prendre une teinte trop claire pour moi et elle m'a swatché le tan et ça fonctionne super bien donc j'ai hâte mais vraiment hâte de tester cette CC crème. J'en ai entendu
beaucoup parlé, beaucoup de bien, et il y en a qui ne sont pas contents de cette CC crème, donc je vais voir si je vais aimer ou pas, mais en tout cas, je n'ai pas acheté le gros format, j'ai préféré prendre le petit format pour tester. Donc voilà, j'ai acheté une palette de la marque Nocibé, je l'ai vue sur la chaîne de Emma, parce que je pense qu'elle l'a acheté aussi. Il y avait les deux, parce qu'il y en a deux comme ça qui sont sortis, la violet foncé et la verte. Il y avait les deux dans ce Nocibé là, mais moi j'ai préféré seulement acheter celle-ci, parce que les teintes m'attiraient plus. Donc c'est la Palm Spring, packaging est très très joli franchement. Palette de fard à paupières, édition limitée, donc elle était à moins 30%, 13,96€ au lieu de 19,95€. Donc je vais vous montrer l'intérieur de cette palette, elle est colorée, très très jolie, elle est vraiment belle, cartonnée, le même format que les Anastasia et tout ça. Donc on a un grand miroir, comme vous voyez bien, et voici les teintes. On a un pinceau qui est, ma foi, pas mal. Voilà, il est vraiment pas mal, c'est un estampeur comme ça, très bien. Et voici les teintes. Attends, je vais plier pour ne pas vous éblouir. Voilà la color story. Donc on a des teintes colorées quoi, il y a du bleu, il y a du vert irisé, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mat, et le reste c'est des irisés, 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 et voilà. Je vais swatcher celui-là. On le voit, mais c'est pas un lumineux de malade, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, il est juste ici. Moyen, moyen. Il faudra voir mouiller ce que ça va donner. Mais en tout cas, premier swatch du irisé vert, c'est pas terrible. Je vais tester le bleu. Ah, le bleu, il est pas mal. Je vais le swatcher ici. Il est pas mal, le bleu. Ça va, ça va. On verra bien à ce prix-là, de toute façon, voilà. Donc, je vais faire un petit make-up avec et je vous montrerai sur Instagram ou quoi. Ou si vous voulez que je la teste en vidéo, dites-le-moi en commentaire parce qu'il y a plein, plein, plein de vidéos qui arrivent sur la chaîne, plein. Je dois tourner 150 000 vidéos revues sur plein de trucs. Je suis très, très, très en retard avec tout ça. Mais bon, c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de dire. Donc voilà, alors chez Nocibé, j'ai fait une très très belle affaire, oui, j'ai trouvé mon sérum que j'adore à la folie, le Estée Lauder, le Advanced Night Repair, il était à moins 50%, au lieu de 53,50€, je l'ai payé 26,75€, 26,75€, c'est une contenance de 20 ml, c'est pas beaucoup, mais ça vaut trop le coup, ça valait trop le coup parce que ça coûte hyper cher à la base, comme vous voyez bien, pour un 20 ml, 53€, quand même une bonne contenance là pour 20 ml. En plus c'est un sérum, on met pas beaucoup et j'adore ce sérum, franchement. Je l'ai réutilisé dernièrement, comme vous l'avez vu dans ma routine avec les produits Huda Beauty et tout ça. Et depuis que j'ai recommencé à l'utiliser, franchement j'ai vu une différence. Il n'y a rien à dire, voilà. Donc il y a ça, il y a aussi le produit que je suis en train de tester là de The Ordinary, le peeling là. Je pense que il est vraiment pas mal celui-là. Je suis toujours en test, mais ma peau, elle s'est beaucoup, beaucoup améliorée. Je kiffe trop ce sérum. À moins 50%, j'ai dit oui, quoi. Et c'est tout, je pense. C'est tout pour mes achats chez Nocibé. Ils m'ont mis des petits échantillons. Ils m'ont mis une petite crème de la marque Sisley. La Phytoteint Ultra Éclat. Ah, c'est un fond de teint. Longue tenue, anti-pollution, numéro 2, la teinte 2, soft beige. À mon avis, ça va être clair pour moi. Ils m'ont mis le Flower Kenzo. Voilà quoi. Et maintenant, on va passer à mes achats dans le Sephora de Valenciennes. Donc, j'ai fait quand même quelques petites belles trouvailles, des bonnes affaires. Premier article, Mademoiselle Lara a voulu acheter... Pardon. A voulu acheter cette boule qui fait plein de paillettes et tout ça quand on la bouge et tout en pingouin. C'était l'édition de Noël hein, de l'hiver de Sephora. Elle passait à 3,85€ je pense. Elle était à moins 50, moins 70, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle m'a dit maman, je la veux pour la mettre en décoration et tout. Et du coup, ben, j'ai dit oui, j'ai craqué pour elle.
Ensuite, j'ai fait une très très belle affaire en... voilà, regardez-moi ce que j'ai trouvé à moins 30%. C'est pas une grosse réduction, mais quand même quoi. Parce qu'à la base, il coûte quand même 38 € ce bazar. Hein. Du coup, je l'ai eu à moins 30% et il est passé à 27 €. Donc voilà, c'est le coffret avec tous les produits Milk. Et pourquoi j'ai pris ce produit ? Parce que j'ai très 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 envie de tester le bronzer Milk. J'en ai entendu que du bien. J'ai aussi entendu du bien sur cette base là, la grippe machin. Mais c'est vraiment pas pour ça que j'ai acheté le coffret. C'est surtout pour le bronzer. Le reste des produits, ah ben, j'ai le sérum, je l'ai. Le truc bleu là, je ne sais pas ce que c'est, mais je pense que je l'ai aussi. Le mascara, donc je ne l'ai pas, je vais tester. La base adhérente, je vais tester aussi, de toute façon pour voir si ça marche avec ma peau. Mini eau fraîcheur, ça je n'ai pas, donc je vais tester. Et huile illuminatrice lèvres et pommettes, glow lip oil, à mon avis c'est ça, je ne l'ai pas. Et le bronzer mat. Donc voilà, franchement, il y en avait encore quand même une dizaine dans le magasin. Ils étaient vraiment bien cachés dans un meuble noir. Voilà, en fait, il faut fouiner, il faut chercher dans les Sephora. Parfois, on passe, on regarde, on voit rien. Je repasse, je trouve quelque chose. Non, franchement, ils avaient mis une grande table avec plein de produits dessus. Et parfois, les gens, ils passent, ils déposent des choses et tout ça, ils repassent. Du coup, nous, on repasse, on trouve des nouvelles choses. Franchement, c'était vraiment un truc de fou, quoi. Donc voilà, je suis trop contente de ce coffret à moins 30%. C'est pas mal. J'ai acheté une crème pour les mains. Franchement, elle m'a donné trop envie. Elle passait à 50%, donc 4,25 € au lieu de 8,50 €. Moi, j'adore l'odeur de la banane. Donc déjà, la forme, elle donne trop envie. C'est en forme de banane, la crème, comme vous voyez bien. Crème main nourrissante et gourmande à base de banane. Donc voilà, j'adore. De la marque Tony Moly en fait. J'ai acheté deux palettes Sephora. Voilà, deux palettes Sephora, les Vivid Earth. J'ai pris les deux teintes qu'il y avait. Parce que franchement, quand je les swatchais au magasin, elles sont magnifiques. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, la qualité des fards de ces palettes, c'est la même qualité que les fards des palettes Sananas en fait. Voilà, vu que c'est la marque Sephora. Donc franchement, elles sont topissimes. Donc elles sont à moins 50%, 7,49 € au lieu de 14,99 €. Franchement, pas mal du tout. Donc j'ai eu les deux pour 14,99 €. Donc j'ai pris celle-ci, la Vivid Earth. C'est les deux Vivid Earth. Mais oui, mais il n'y a pas de nom pour ceux-là ou quoi? Crayon Ground. Et celle-ci, c'est la Wild Nature. Ok, ça c'est la Crayon Ground avec les teintes burgundy et tout ça. Je vais l'ouvrir pour vous montrer. J'espère qu'elle n'est pas cassée parce que je n'ai pas vérifié dans le magasin. Elle n'a pas l'air en tout cas. Ouais, voilà. C'est une petite palette franchement sympa pour tous les jours avec de magnifiques teintes. Comme vous voyez bien, je vais vous faire un swatch du burgundy foncé ici. Les teintes sont très 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 crémeuses. Franchement, trop bien. Ça swatch super bien, c'est très lumineux. Je vous swatch aussi celui-là. Vraiment quoi, oh waouh. Regardez-moi ça, j'espère que vous voyez bien. Regardez-moi ça, ouais, je pense que là vous voyez bien. Voilà, et cette teinte j'ai mis un tout petit peu, hein, mais vraiment, j'ai pas repris de matière. Donc, magnifique franchement ces palettes, elles sont trop bien pour tous les jours. Pour aller travailler, moi ça me convient très très bien. Et la deuxième, c'est là, dans les déteintes vertes et tout ça, la Wild Nature. Très jolie aussi. Je suis sûre c'est la même qualité que les fards de Sananas en collaboration avec Sephora. Donc regardez-moi les teintes, franchement magnifique. Je vais vous swatcher un kaki ici, un vert kaki. Regardez-moi ça. Non mais franchement... Voilà, c'est lumineux, c'est magnifique quoi. Un tout petit peu poudreux, mais c'est pas catastrophique. Ils sont crémeux, c'est ça qui est bien. Donc je suis très contente, franchement. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté de la marque Sisley deux gloss, mais des gloss de malade. Alors,
toute une histoire avec ces glosses-là. Parce qu'en fait, quand je suis rentrée chez moi et que j'ai regardé en fait l'intérieur, moi je croyais que j'avais pris une teinte. Parce que là, vous avez, on a le nom d'une seule teinte. Alors, dans le magasin, en fait, il y avait un élastique avec deux paquets comme ça et deux, comment dire, deux testeurs enroulés avec un élastique. Du coup, j'ai regardé les testeurs, j'ai choisi la teinte que je voulais et du coup, j'ai regardé le numéro de la teinte sur le testeur pour prendre le bon paquet, quoi. Du coup, j'ai pris le bon paquet qui est le 7 Sparkling Topaz. Et quand je suis rentrée chez moi et que j'ai ouvert le paquet, j'ai trouvé les deux glosses dedans. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est amusé à mettre les deux glosses dedans. Je ne sais pas si c'est une erreur ou si c'est un client ou si c'est une séphorette. Aucune idée. Mais en tout cas, moi, je me suis trouvée avec les deux teintes à 19,95€. Donc, au lieu de 39,90€, le gloss. Oui, le gloss, parce que vous allez voir pourquoi il est cher. Il est juste magnifique. Donc, j'en ai deux pour 19,95€ et je suis trop contente. Vous imaginez, 40 balles le gloss. Marc Sisley, c'est cher, hein, franchement. Brillant à lèvres. Brillance extrême. Extreme shine. Donc, quand j'ai ouvert le paquet, je me suis dit, oh my god, il y a les deux là. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Bah, voilà. Donc, je vous montre les bêtes. Voilà. Je vais les secouer un tout petit peu. Ils sont magnifiques. Ils brillent de mille feux sur la peau, sur les lèvres. Trop, trop beau. Trop, trop beau. Donc, je vais vous swatcher. Je vais essayer de mettre sur mes lèvres comme ça, vous voyez l'effet. Par contre, l'embout, c'est un embout pinceau. Franchement, moi, ça ne me dérange pas. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais moi, ça ne me dérange pas. Donc, je vais l'appliquer sur mes lèvres comme ça. Alors, sur les lèvres, aujourd'hui, je vais vous le dire avant que j'oublie. J'ai le Sephora, c'est le gloss Sephora, donc les nouveautés Sephora dans la teinte 135 Stylish. Franchement, il est super joli, ça colle pas, rien du tout, ça donne un magnifique effet glossy, nickel quoi, voilà, juste ici. De toute façon, je vous mettrai tous les liens que je peux mettre dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller checker. Donc, il y a beaucoup de paillettes en fait dedans. En fait, ça repulpe les lèvres. Il y a un tout petit peu le goût, un petit peu qui pique là, mais ça pique pas les lèvres. En fait, et ça, je déteste hein, quand ça pique les lèvres. C'est juste magnifique, en fait. C'est trop, trop beau. Voilà, ça brille de mille feux. Donc ça, c'est la teinte Rosé Quartz 08. Et ici, j'ai la teinte 7 Sparkling Topaz. Donc, le premier, c'est rosé, comme vous voyez bien. Et celui-là, c'est dans les teintes marronnées, ouais, plus marronnées. Donc, c'est trop beau. Hein. Regardez-moi ça. Donc, je vais vous faire un petit swatch ici, au milieu. En fait, il y a des paillettes de toutes les couleurs à l'intérieur. Magnifique, franchement, regardez-moi comment c'est joli. Oh, il est trop trop beau, magnifique. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir trouvé deux en main. Voilà, parce que c'est quand même cher. Hein. J'ai quand même pris le risque de l'acheter à ce prix-là pour un gloss parce que je suis tombée amoureuse quand je l'ai testé sur ma main. Et là, je suis trop contente d'avoir trouvé les deux. Voilà, mon jour de chance. Alors, en Too Faced, parce que oui, il n'y avait rien, il n'y avait pas grand chose. Du coup, ce qu'on a fait avec Priscilla, on a ouvert les tiroirs. Oui, on a ouvert les tiroirs des stands Too Faced, parce qu'ils nous disaient qu'ils n'avaient rien, mais en fait, il y avait quelques petites choses quand même. Donc, j'ai pris 4 produits de la marque Too Faced. J'ai pris un rouge à lèvres qui est de la gamme Peach Kiss. Je ne sais pas combien il est passé celui-là. Regardez, il est passé à 50%, à 10,50€, oui. Donc, la teinte, c'est Breakfast Club. Voilà, magnifique rouge, comme j'adore, corail, comme ça. Trop, trop beau. Et c'est Priscilla qui a trouvé tout ça. Merci, ma chérie. Packaging lourd, magnifique, trop, trop beau, Too Faced. La teinte, elle est comme ceci.
avec les petites pêches gravées sur le raisin. Waouh! Et c'est des maths, hein. Je vais swatcher sur mon autre main. Oh my goodness! Il est trop trop beau! Ça ressemble fort à celui de Kiko que j'ai acheté de la nouvelle collection Kiko Unexpected Paradise. Il est magnifique, franchement. J'ai envie d'avoir d'autres. Donc voilà, elle a su me trouver ça. Je suis très contente déjà d'avoir trouvé un. Et j'ai pris trois rouges à lèvres de la gamme Peach Puff, les Peach Puff en fait. Donc, c'est des rouges à lèvres mat longue tenue, effet diffus enrichi à la pêche et au lait de figue sucrée. Donc, j'ai pris trois teintes, comme vous voyez bien là. Une teinte foncée, marron foncé, Sipping Tea. Voilà, c'est des les puffs. Enfin, moi, je ne les ai jamais testés, ceux-là. Jamais, jamais, jamais. Donc, ils se présentent comme ceci. Et en fait, l'embout, c'est un embout mousse. Donc, voilà. Je pense qu'il faut tourner jusqu'à ce que le produit sort. Voilà. Ça vient, ça vient. Oui, il est hyper foncé, celui-là. Ah, c'est trop bien. Voilà la teinte. Ça sent trop bon la figue. Franchement, c'est les puffs. En fait, ils sont légers sur les lèvres et longue tenue. Donc voilà. Trop bien. J'ai pris la teinte You Wish. C'est un nude celui-là. Je vais peut-être les swatcher les deux autres sur Instagram. Donc il est couleur nude pêche. Très très beau. Et le dernier, c'est un violet rosé comme j'adore. C'est le Don't At Me. Voilà, très très beau. Vraiment très très joli. J'adore la teinte quoi. Voilà. Donc voilà pour les produits qu'on a trouvés chez Sephora de Valenciennes. En échantillon, elle m'a mis le Jimmy Choo Fever eau de parfum. Elle m'a mis de la neige, le masque de nuit pour les lèvres. Celui-là, je l'ai et je le kiffe. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vivement à le tester pour avoir des lèvres le lendemain de fou. Et si vous avez les lèvres gercées, c'est ce qu'il vous faut. Vous mettez ça avant de dormir et le lendemain, vous n'avez plus rien. Je vous assure, rien du tout après. Donc, il est très très bien. Donc, je le connais. Ils m'ont mis Mademoiselle Rochas in Black. Un petit échantillon. Elle m'a mis aussi Mademoiselle Rochas. Voilà, un autre, le My Friend Chic. Et le Jimmy Choo eau de parfum. Voilà, Jimmy Choo. J'ai aussi testé aujourd'hui donc les fossiles que vous voyez juste là. Donc, c'est des demi, on va dire, qui se posent à partir du milieu donc de la paupière. Et voilà, ça fait une petite frange comme ça, très très jolie. En fait, c'est ce petit pack-là que j'ai acheté sur le site de Beauty Bay. Quand ils ont fait les promos, je vous ai montré ce kit dans la vidéo haul. Donc, c'est celui-là, le Ardell. Voilà. Et dedans, on a un petit pot comme ça. C'est un gel liner magnétique, donc vous pouvez appliquer avec un petit pinceau. En fait, ils ont fourni un petit pinceau comme ça avec. Mais moi, je n'ai pas utilisé celui-là parce qu'il est un petit peu, comment dire, large pour moi. Du coup, j'ai utilisé le pinceau Jeffree Star que j'ai acheté une fois sur le site de Morphe, je pense. Il est comme ceci, tout, 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 tout fin. Ça a bien fonctionné, franchement. Donc, c'est un petit pot gel magnétique, comme ceci. Vous l'appliquez comme liner, comme moi j'ai fait aujourd'hui. Voilà. Et puis après, vous prenez les petits cils. Il y a bien sûr, il y a des petites magnettes dessus, dedans, en fait. Et vous posez. Et merci, au revoir. Ça tient en place, ça ne bouge absolument pas. Je suis ravie de ce lot-là. Je sais que dans la marque Eylure, ils ont carrément en fait, le liner en pinceau. Ça aussi, c'est bien. Mais franchement, pour celles qui n'arrivent pas à mettre des fossiles donc, à coller, vous allez kiffer, vous allez adorer. Ça prend beaucoup moins de temps que si, ça prend du temps
dans le sens où il faut appliquer votre liner d'abord. Comme pour ici, par exemple, il faut appliquer deux couches l'une sur l'autre. Il ne faut pas attendre que ça sèche parce que déjà, la texture, elle est un peu aqueuse. Elle est un petit peu dure à travailler, j'ai envie de dire. Donc, mais moi, parce que je voulais faire une petite wing, une petite virgule, mais vous pouvez ne pas faire une virgule. Vous pouvez juste appliquer jusque là. C'est tout. Deux fois. Et après, vous posez les cils dessus. C'est un truc de fou. Franchement, ça marche super bien. J'adore. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. Voilà, mes chéris, pour tous mes achats. J'espère que ma vidéo haul vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez trouvé des petites pépites. N'hésitez pas à me dire si vous avez craqué. Dites-moi tout en commentaire. Je vous attends en commentaire comme d'habitude. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des gros bisous, mes rayons soleil. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!